C'est une succession d'échecs, ce livre. Oh, comme souvent, on nous vit. J'adopte pas tellement la formule du happy end. Ce livre, c'est pas un cauchemar, quoi. C'est plutôt un mauvais rêve. Vieillissant, on est tous confrontés à une forme de dépression inévitable. Moi, c'était surtout la poésie. Au départ, quand on a ça, on est sauvé. Bon, enfin, je pense pas que la beauté puisse sauver quoi que ce soit, mais ça aide à vivre individuellement. Pour les dépressifs, c'est une lecture à conseiller. Ils peuvent se dire que c'est pas de leur faute, quoi. C'est le monde entier, la société entière, qui génère des dépressions. C'est l'histoire de quelqu'un qui se déprend complètement, qui tombe dans l'indifférence et qui ensuite est fasciné par cette indifférence. Il mange, disons, pour se nourrir. Il n'a plus de gestes sociaux, il n'a plus que des gestes absolument neutres, c'est-à-dire qu'il marche, il passe son temps à traîner. Tout le comportement qu'il a devient un comportement entre parenthèses. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas à la vie éternelle, je ne crois pas que je sois quelqu'un de très très précieux. Je me sens seule et la solitude ne peut être brisée qu'à deux. Et quelquefois, on est encore plus seul à deux que tout seul. Littéralement, échappé au suicide depuis 3 mois, au suicide idiot. Manqué, sans doute. Mais pourquoi? Parce que ça faisait trop, les insultes, les injures, la fatigue morale. Je buvais trop d'ailleurs, ça fatigue. On boit parce que Dieu n'existe pas. Il est remplacé par l'alcool. Il n'y a plus de problème, si vous voulez. C'est certainement... Il y a eu quelque chose de... Je sais ce que c'est, mais je ne peux pas en parler. Qui a fait que j'ai commencé à boire toute seule, chez moi. Mais à partir du moment où vous buvez seule chez vous, oui, c'est fini. Quand j'ai été guéri, j'ai écrit le 36e dessous, et je faisais apparaître 3 personnages qui déjà vivaient à ce moment-là avec moi au réveil. C'était Sœur Angoisse, et puis 2 personnages, Grand A, l'élève modèle qui me commandait de me lever et d'aller chez mon éditeur, et petit B qui me disait « reste couché, ça ne vaut pas la peine ». Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, quand sous les lourds flocons des neigeuses années, l'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Non, à la fin, il n'y a plus rien. Mais croyez-moi, je n'avais pas de vous quitter.